Bonsoir tout amis football, nous comptons aujourd'hui nous côté nous pour apporter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour nous commencer dans le pays l'Espagne avec Jonas Sa qui vient avec une opération attaquant qui lance bon côté équipe FC Barcelone. Non? Toujours bon côté FC Barcelone, bien Jonas Sa lui-même tout qui vient sous Yamal qui a fait une belle montée dans l'équipe si là et considéré comme une pépite dans Barcelone. Et bon côté par Ligue 1, Jonas Sa qui fait un pile éloge pour Ilkay Gundogan international allemand qui bat un gaz dans le mi-temps terrain équipe Barcelone. Non? Pour aller dans le pays l'Angleterre avec Jonas Sa qui fait connaître que Mason Greenwood et l'équipe Manchester United là qui pavlèl et gagne plusieurs clubs qui intéressent ensemble avec lui. Et bon côté par les tout gagne Jonas Sa dans le pays l'Italie qui fait connaître que l'équipe Juventus là jusqu'à maintenant il a prétendu Romelu Lukaku. On parle également dans le pays la France avec Jonas Sa lui-même qui vient sous Mercato dans la Ligue 1 avec plusieurs joueurs même qui sont toujours mouvementés. Et bon côté par le pays l'Allemagne, il y a Jonas Paul Bild lui-même qui fait un récapitulatif de Mercato surtout avec le club dans la Bundesliga. C'est une vidéo qui est tout ça qui a dominé l'actualité football là dans la tournée après pause là pour vous donner tout détail pour vous. Commencer vidéo presse là dans Mercato dans pays Portugal avec Jonas Record qui fait connaître que entraîneur équipe Benfica lui fait même porte avec David Neres, Florentino et Morato. Il fait connaître que joueur ça est intouchable puisque il y a plusieurs grandes écuries européennes et notamment dans pays Arabie Saoudite qui est vraiment intéressé ensemble avec international brésilien. Et bon côté parle ancien joueur Ajax là, nous voulons parler de David Neres, il fait déclaration pour le faire connaître que lui qui est tête sous épaule malgré intérêt plusieurs autres grands clubs. Il y a une là-dedans aussi l'équipe Zenith qui était vraiment intéressée avec l'international brésilien. C'est international brésilien, il n'est pas toujours titulaire, mais il déclaré que chaque minute qu'il joue, il a toujours été déterminé pour le club aider l'équipe Benfica et fait fanatique toujours content. On va aller dans le pays l'Angleterre avec Mason Greenwood, selon Jonas Sa qui supposait quitter l'équipe Manchester United là. Le journal là qui fait qu'on n'a que pas gagné aucun chemin de retour, mais Mason Greenwood définitivement n'est pas joué à Manchester United pour la saison qui va venir là. Et c'est même bagarre là, tout le journal de l'histoire était confirmé hier pour le club faire qu'on est c'est fini et dehors pour Mason Greenwood. Le joueur lui-même qui prétendu par plusieurs grands clubs, notamment dans le pays Arabie Saoudite et également dans le pays Turc qui a plusieurs écuries qui vraiment intéressé ensemble avec lui. Et selon un pilote journal, tu as même gagné équipe AS Roma qui intéressé avec elle. Et aujourd'hui, le journal de l'histoire est venu avec une autre information pour faire connaître que l'équipe dans le pays Arabie Saoudite qui était intéressée ensemble avec lui, il a déjà bail vague avec Mason Greenwood. Et bien, il y a tout bonne information ça tout pour nous faire connaître que il y a un pays, l'Angleterre, qui n'a pas pour jouer à représenter l'encore et pays Jamaïque, lui-même, ni prêt pour le club faire changer nationalité sportive li, et quand même représenter Jamaïque. Mais le journal a tout qui allait plus loin pour faire connaître que n'y a arrêté seulement le club pays, la Turquie, qui est vraiment intéressé avec l'international anglais. Dans le pays l'Allemagne, côté Mercato, lui-même tout, il a fait un pile actualité, notamment le journal Sport Bild, lui-même qui vient sur Randal Kolo Muani, qui paraît jamais vraiment intéressé avec l'international français. Le journal là qui fait connaître l'équipe Frankfurt, lui-même qui n'est pas prêt pour lâcher l'international français pour pipiti que 100 millions d'euros. Le journal là qui écrit c'est 100 millions ou rien pour Randal Kolo Muani. On parle dans le pays la France avec le journal l'équipe lui-même qui mettait à la une ajuster le tir. Le journal là qui fait qu'on a que plusieurs grandes écuries, notamment l'équipe Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, ils ont cherché des renforts à 10 jours de fermeture mercato. Et puis loin, le journal l'équipe lui-même était allé pour argumenter après le début de saison en demi-teinte et à seulement 10 jours de la clôture du mercato. L'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille espèrent encore faire évoluer leur effectif entre les départs et les arrivées. Dans le départ, il y a Marco Verratti qui supposait quitter Paris Saint-Germain et pour côté Paris, il y a Guendouzi lui-même qui supposait rejoindre l'équipe Lazio de Rome. Maintenant, il y a un dossier qui était mouvementé Mercato et le journal Le Figaro lui mettait un point final pour le faire connaître que non Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet été. Depuis deux mésententes qui étaient gagnées dans le commencement de saison, surtout dans la pré-saison avec l'équipe Paris Saint-Germain, qui donne Mbappé lui-même qui partit pour rester une saison encore dans l'équipe Paris Saint-Germain. Hein? Même si jusqu'à maintenant, l'équipe Paris Saint-Germain pour qu'on une entente pour renouveler le contrat international français. On parle de dans le pays l'Italie avec le journal Corriere dello Sport qui fait connaître que Lukaku et Vlahovic ont gagné un deal qui a fait en deux attaquants si là. Bon côté par l'équipe Chelsea lui-même qui t'a remis Van Lukaku et bon côté par la Juventus qui t'a remis rentrer l'argent avec International Seb là. Regarde ce journal là qui fait connaître tout gain équipe AS Roma lui-même tout qui intéressé avec Bingham pour qu'il renforcer attaque.
Mais je n'en la fait qu'on a deux équipes plus probables, c'est échange entre équipe Juventus là et Chelsea, et notamment équipe Chelsea qui supposait débousser comme équipe Juventus là. Toujours sur équipe turinoise là, il y a un journal Tuto Sport lui-même qui fait qu'on est que équipe Juventus là qui prêt à le passer à l'action. Mais livré pour grave Van Kien et pour grave une service Berardi ou bien Alvaro Morata. Je n'en la fait qu'on est pas seulement Lukaku que équipe Juventus là lui-même lipisté puisque lui les renforcer l'attaque là, notamment soit Berardi ou bien Morata ou bien Romelu Lukaku. On va aller couvrir avec un cas polémique puisque dans le pays l'Espagne, il y a un journal Marca qui mettait à la une li très touché. On l'a fait qu'on ait plusieurs pétitions qui a signé pour faire Ruben Alès quitter place comme président de la Fédération espagnole là. Le journal là qui a l'épine pour le faire qu'on ait même président dans le pays l'Espagne, lui mandé avec Ruben Alès et lui fait qu'on ait que excuse lui pas suffit. Bon, côté parler, il y a un journal AS qui reprend la déclaration de Pedro Sanchez, qui est chef gouvernement dans le pays d'Espagne, qui fait qu'on est que mes excuses Ruben Alès ne pas suffit. Bon, côté parler, il y a un représentant du gouvernement et même opposition qui demande pour le bail démission comme président de la Fédération espagnole. Le journal a fait qu'on est que vendredi, il y a une assemblée en extraordinaire pour qu'il juger de ceci. Là. On a toujours été sous page de couverture journal AS, là, notamment avec dossier Jean Félix, là, lui-même qui t'a déclaré c'est soit Barcelone ou bien football dans le pays Arabie Saoudite. En effet, international espagnol là, qui n'est pas content et qui n'a pas voulu retenir l'équipe Atlético de Madrid. Là. Le journal a tout qui vient avec une autre information concernant Marcos Alonso qui pourrait être inscrit dans la Liga espagnole là, puisque le journal a fait connaître que Marcos Alonso est déjà sous marché transfert. Une raison aussi dans le journal ça, c'est parce que Barcelone n'est pas arrivé inscrit jouer dans la Liga espagnole. On a toujours été bon côté FC Barcelone avec Journal Sport qui fait connaître que une opération attaque en équipe Barcelone. Le c'est Jean-Félix là qui paraître facile pour Barcelone selon Journal ça puisque l'équipe Atlético de Madrid là est prêt pour accepter seulement près un joueur comme une indemnité. Le journal là tout qui fait connaître que Gimbay Leverkusen lui-même tout qui prêt pour acheter Abde avec 20 millions d'euros. Et bon côté pas pral gagner, il y a une rencontre semaine qui vient pour accélérer futur Ansu Fati, lui-même tout qui pas veut quitter le club là, mais quand même qui pourrait faire place lui. Le journal là tout qui fait connaître que l'équipe Barcelone est vraiment intéressé avec João Cancelo qui rejoint l'équipe ça officiellement avant demain si Dieu veut. Le journal là tout qui te fait connaître hier que aimé équipe Barcelone qui te fait un off final pour João Cancelo. Le journal là qui révèle les derniers off Barcelone pour João Cancelo à lui-même qui s'est un prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros obligatoire avec des objectifs atteints. Et bon côté parler, il y a un journal Mundo Deportivo qui vient avec Yamal lui-même pour journal ça qui c'est un Golden Boy. Le journal a fait connaître ces joueurs qui plus valorisé à 16 ans puisqu'il déjà gagné un prix de 25 millions d'euros. Et bon côté parler, il y a un journal Les Sportifs lui-même qui vient avec un pile d'éloges pour international allemand. Nous voulons parler de Ilkay Gundogan. Selon le journal ça, international allemand qui est à combler tout espoir que tu mettais sous lui. Mais il y a un joueur qui a comblé un pile espoir et qui t'a fait mercato, c'est Jude Bellingham. Selon le journal ça, qui très bien commencé pour l'équipe Real de Madrid à côté de Guetta marqué 3 goals pour l'équipe si là. C'était un gros plaisir fanatique football pour nous porter tout ça qui a dominé l'actualité pour nous. Nous espérons que vous avez partagé la vidéo ça tout côté sur internet là. Pour nous, on a dit à la prochaine bonne vidéo. Que vous avez béni chaque monde qui a regardé la vidéo ça.